Tu sais, bien souvent, c'est lorsque l'on s'y attend le moins que nous sommes frappés de plein fouet par l'inattendu. Que nous sommes impactés comme jamais on aurait pensé l'être. Je me souviens encore de ce vendredi 14 juin 2013, un jour chaud, ensoleillé qui annonçait d'ores et déjà l'arrivée d'un bel été. 17 ans. Mais finalement, peu importe l'âge que nous avions, peu importe nos attentes respectives, peu importe notre vécu et notre relation avec ce grand studio, le 14 juin 2013 nous prime tous une claque. Le 14 juin 2013. Comment pourrais-je oublier ce jour si particulier? The Last of Us, les derniers d'entre nous. Ce titre avait beau être évocateur, du haut de mes 17 ans, jamais, jamais je n'aurais envisagé un seul instant ce qu'il allait me procurer. Au moment de glisser le disque dans la PS3, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'avais essayé de me préserver concernant The Last of Us. Les dogs m'avaient habitué à de la qualité, je n'avais qu'à leur faire confiance, une fois de plus, et les laisser m'emmener. Pour être tout à fait honnête, j'ai découvert The Last of Us parfaitement par hasard dans un magasin de jeux vidéo. Âgé de 16 ans et attiré par ce que j'avais vu du jeu, j'ignorais totalement que j'allais plonger dans l'un des plus beaux titres auxquels je n'ai jamais joué. Retenu par mes études à l'époque de sa sortie, j'ai été honteusement passé à côté de ce titre lors de la génération précédente. Il m'aura fallu attendre 2016 et l'achat de ma PlayStation 4 pour me décider à le découvrir. J'enchaînais alors immédiatement après une autre grande aventure signée Naughty Dog, Uncharted 4. Une belle entrée en matière pour changer de génération. Cela faisait un an et demi qu'Uncharted 3 était sorti. Cela faisait donc 6 années que nous n'avions pas eu l'opportunité de découvrir une nouvelle licence, de nouveaux personnages, une nouvelle ambiance créée et imaginée par Naughty Dog. Alors même si l'idée d'un énième jeu de survie ne m'attirait pas tant que ça, il y avait tout de même une certaine once d'excitation au fond de moi. Entre les retours critiques dithyrambiques et le fait de savoir que c'est l'un de mes studios préférés qui se cache derrière, comment ne pas vouloir craquer les yeux fermés? Si je reviens quelques années en arrière, je dois bien confesser que mes attentes étaient assez légères. Je touchais à tout sans prendre le temps d'en voir le bout. Des fragments de souvenirs vidéoludiques qui subsistent, j'ai l'asile d'Arkham gravé à jamais, puis pas grand-chose d'autre d'aussi fort. La pluie et les tourments d'Heavy Rain m'avaient bien bousculé, mais sans plus pour moult raisons. Triste constat, mais c'est ce qu'il arrive lorsque l'on traverse la période tout feu tout flamme de l'adolescence. Seules les voix dissidentes et le bruit des chefs-d'œuvre parviennent à casser notre élan, avant de retenir notre attention pour toujours. Un univers post-apocalyptique, des infectés, livres, séries, films et même jeux vidéo. Combien tourner déjà en rond autour de ces thématiques déjà bien essorées? Alors j'ai douté. Qu'avait-il de plus à me raconter? Et pourtant, laissez-moi vous raconter à quel point ce jour-là, je me suis admirablement trompé. Je n'étais pas prêt à me prendre ce qui allait être une, si ce n'est la plus grosse gifle jamais prise avec un jeu vidéo, et même avec n'importe quel médium. Je n'étais pas prêt pour ce qui allait m'arriver. Une histoire de zombie classique, me disais-je, en insérant le disque dans la console. Je n'en attendais pas vraiment plus. Un peu crédule, je lance une nouvelle partie. Le logo Naughty Dog apparaît, les premiers frissons se font ressentir, la musique et le calme du menu font monter en moi une forme d'effervescence. Et voilà que la première image du jeu apparaît, avec un tic-tac en arrière-plan, comme si le temps était d'ores et déjà compté. Je te découvre en train de dormir. Tu n'es pas Ellie. Une voix se fait entendre. C'est Joël. Tommy, Tommy, listen to me. He is the contractor. He is the contractor, okay? I can't lose this job. La lumière s'allume, elle te réveille. S'ensuit un échange où je découvre votre relation. J'y apprends que tu es sa fille. Je comprends beaucoup sur votre situation. En quelques instants, le décor est posé. Mais le plus fou, c'est que votre relation fonctionne immédiatement. C'est par le biais d'une cinématique en apparence assez simpliste, mais pourtant fort importante à bien des égards, que je fais la rencontre de Joël et Sarah. Pour cause, en peu de temps, elle nous révèle beaucoup de choses. Nous sommes le 26 septembre. C'est l'anniversaire de Joël, un père visiblement seul qui a une relation très fusionnelle avec sa fille. Sarah, personnage essentiel de The Last of Us, bien plus qu'elle n'y paraît au premier abord. Elle est le premier protagoniste que l'on découvre à l'écran. Elle est la fille de Joël ou encore la passerelle spirituelle vers Ellie.
mais aussi et surtout le premier personnage à être incarné. The Last of Us fait partie de ces créations que l'on peut sous-estimer au premier contact. Mais pas pour longtemps. Le jeu nous fait comprendre dès ses premiers instants que la vie ne tient qu'à un fil, dans cet univers aux prémices de l'apocalypse. La profondeur d'écriture n'est paradoxalement de leur simplicité. Un père et une fille évoluant dans leur quotidien, pour le moins banal. Il n'y a rien de plus quelconque. Alors pourquoi je m'attache autant? Est-ce parce qu'une étincelle d'humanité brûle en eux? Peut-être bien. Un sentiment nouveau pour moi, à travers un simple jeu vidéo. Sarah se fait réveiller par son oncle Tommy, sans doute le frère de son père, Joel. Il semble perturbé. À ce moment-là, je suis toujours perdu, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je suis donc Sarah qui sort de sa chambre pour retrouver son père. Étant totalement intrigué par la situation, je me dirige vers la chambre parentale où j'en apprends davantage. On découvre coup sur coup un journal télévisé pour le moins inquiétant, suivi par une explosion au loin au cœur de la ville, ainsi que par les sirènes assourdissantes des voitures de police qui passent dans la rue. Des explosions retentissent. Le Jérémy de 17 ans ne réalise pas vraiment. Celui de 23 ans sait ce qu'il attend. Ou plutôt ce qui se prépare pour Joël. Alors que tu cherches Joël, je sens l'inquiétude monter en toi. Je te sens paniqué. Une fois retrouvé, voilà que ton père tire sur le voisin. Il n'avait visiblement pas le choix. Quelque chose se passe, et c'est très dangereux. Il va te sortir de là. Tu lui fais confiance. Je lui fais confiance. La mort s'invite à la maison. Premier sang. Joël n'avait pas le choix. Il faut absolument partir. Mais au fur et à mesure que notre petite famille s'éloignera, la descente aux enfers ne fera que commencer. À partir de cet instant, tout va vraiment s'accélérer. Pas le temps pour une explication. On apprend simplement que la situation est trop dangereuse. Il faut partir. Il faut fuir. À peine avons-nous le temps de comprendre tous ces événements que nous voilà à l'arrière d'une voiture. Nous voilà impuissants à écouter Joël et son frère Tommy se disputer sur la manière de s'en sortir, n'hésitant pas à abandonner à leur sort, au passage, une pauvre famille sur le bord de la route. Tout cela dans le but de protéger Sarah, et donc, indirectement, de nous protéger nous, le joueur. Le père aimant qui m'avait été présenté laissa place à une autre facette de sa personnalité. Une scène si brutale, mais compréhensible à la fois. Est-ce de l'égoïsme, ou bien seulement la surprotection d'un père à l'égard de sa fille? La réponse vous appartient. La réponse nous appartient. Je découvre en même temps que toi le début de ce qui me semble être un cataclysme. Les gens deviennent fous. Ils s'en prennent aux premiers venus. Des maisons brûlent. Les gens crient. À l'aide. Dans un sens, le héros au visage des premiers Uncharted va vite avoir les traits tirés et la gueule burinée, pas par l'épreuve du temps, mais plus par celle d'un présent qui s'effrite en une fraction. La ville est entièrement bloquée. Des gens essaient de fuir en voiture ou même à pied. D'autres se font attaquer par des personnes en blouse bleue. Il semblerait que ce soit des patients qui ont perdu la raison. C'est alors que je commence à réaliser que je suis en train de vivre le premier jour de notre effondrement. Le premier jour de l'infection, et que nous devons fuir afin de survivre aux côtés de notre fille et de notre cher frère. La ville est dans l'anarchie la plus totale, des civils fuyant, des hommes et femmes s'attaquant à leurs concitoyens, véhicules renversés, feux en pleine rue, sang, Sarah nage en plein cauchemar. Un monde bien trop violent pour une simple fillette. Accident de voiture, explosion, hurlement, attaque aussi violente que sanglante, nous voilà au beau milieu d'une ville en proie à l'apocalypse. Surprise. Nous ne contrôlons plus Sarah, mais Joël, portant sa fille à bout de bras au beau milieu de tout ce chaos. Blessée et dans les bras de son père, la jeune Sarah reste indirectement liée au joueur, à moi, comme si le jeu m'envoyait un signal, celui de ne pas la lâcher, de la protéger, qu'à travers la manette, j'avais le pouvoir de décider. Tu as peur, je le sens. Une explosion, une femme hurle. J'essaye de te rassurer pendant que Tommy nous couvre. The Last of Us m'a mis à la place d'un père. Dans cette introduction. Je désirais coûte que coûte de protéger Sarah, comme si elle était ma propre fille. C'est assez inédit pour un ado de 16 ans d'avoir un instinct paternel aussi présent. Vous ne trouvez pas ? Joël et Sarah parviennent à fuir la ville pour retrouver un peu de calme dans la campagne. Mais le sentiment d'angoisse est encore plus renforcé. La lumière se fait de plus en plus rare,
et les grognements des malades se font de plus en plus stressants à entendre sans les cris des civils. Mais fort heureusement, un militaire est là. Tout est bientôt terminé. Alors que nous sommes attaqués, le militaire nous sauve. C'est fini. Il va nous venir en aide. On va sortir de là. J'y ai cru. Il peut nous faire quitter la zone. Après tout, il y a bien une petite fille avec nous. Mais soudainement, la lumière de la torche pointe vers Joël et Sarah. Et se produit alors un point de non-retour. Le militaire nous braque, nous hurle de ne pas avancer. Il discute avec son supérieur. Son oui-chef est de très mauvais augure. Hey, we need help. Stop. Please. It's my daughter. I think her leg is broken. Stop right there. Okay. We're not sick. Got a couple of civilians in the outer perimeter. Please advise. Daddy, what about Uncle Tommy? We're gonna get you to safety and go back for him, okay? Sir, there's a little girl. But... Yes, sir. Ce qu'on ne réalise pas encore, c'est qu'on assiste en réalité à une forme de passation symbolique. Sarah, cette adorable et innocente jeune fille qui nous accompagne dans la découverte de The Last of Us, se trouve à quelques minutes seulement de la fin de son voyage. À cet instant précis, le jeu me questionne. Quelle est la plus grande menace? Les infectés ou bien l'humanité? Puis je me rappelle que Joël n'a pas souhaité venir en aide à son prochain. Et à cet instant précis, le jeu m'envoie un message. Les actes ont des conséquences. Une rafale d'une dizaine de balles. L'incompréhension se fait ressentir. Je me demande pourquoi. Et alors que je crois voir la dernière heure de Joël sonner, Tommy nous offre un sursis. Le sursis qui va nous achever. Oh non. Sarah. Move your hands, baby. I know, baby, I know. Listen to me, I know this hurts, baby. You're gonna be okay, baby, stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Une fin brutale, il faut le dire, à laquelle on ne s'attendait pas. Le lien que nous avons réussi à construire avec elle en si peu de temps est immédiatement rompu. Nous voilà à terre, effondrés au même titre que Joël, dont on partage la peine et les larmes. Voir une enfant à l'agonie, pleurer, hurler, souffrir, un père déchiré, prier Dieu pour qu'on lui rende sa fille. Ses sanglots. C'est à ce moment-là que mon sang se glace. Ses gémissements. Sarah est allongée, le ventre ensanglanté. Ses mains qui s'accrochent désespérément. Tommy reste silencieux tandis que Joël essaie de rassurer son enfant. Une si grande douleur pour une si petite âme. Les mots et gestes affectueux de Joël. La triste mélodie qui accompagne la scène. Puis vient l'instant fatidique des au revoir. L'oncle est désemparé, le père a jamais changé, la fille envolée. Sarah! Baby! Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. Les larmes coulent. Joël répète en boucle une phrase que je ne peux m'empêcher de répéter dans ma tête. Pitié. Pitié, pas ça. Je ne peux m'empêcher de frissonner le long de mon corps, la gorge serrée et totalement impuissant face à la scène que je suis en train de vivre, face à la scène que je suis en train de subir. The Last of Us est également une ode à la cruauté. À quel moment peut-on ôter l'existence d'une jeune fille avec des yeux si curieux? Qui se permettrait-elle infamie? Le Tout-Puissant? Celui qui installe des épidémies et prive de futur l'humanité, sans préavis? C'est ça? Symbole d'innocence, Sarah incarnait la douceur, du prénom à la laine de son pantalon. Voilà ce que représente l'introduction de The Last of Us. C'est la manière dont Naughty Dog nous fait comprendre dans quel monde nous allons mettre les pieds en découvrant ce jeu. Un monde froid et terrifiant, où l'humanité est en perdition, où la perte de ce qu'on aime est monnaie courante, et où les plus terribles des instincts s'apprêtent à refaire surface. Ce que je viens de vivre, cette identification et cet attachement à un personnage
de façon aussi soudaine. Je ne l'avais encore jamais vécu. À travers sa mort, tant d'autres lucioles s'éteignent. C'est un peu le message de cette douloureuse introduction. Je dois poursuivre mon aventure. Il fallait avoir rencontré Sarah pour pouvoir comprendre la relation entre Joël et Ellie. The Last of Us, les derniers d'entre nous. Je comprends le sens de ce titre à présent. La vie, la mort, Joël, Sarah. Une vie prend fin, mais une plus douloureuse commence. Joyeux anniversaire, Joël. Joël.